carissimo fratello ed amico Jean-Pierre Amunkumpelinga. Dear friend and brother Amunkumpelinga. Jean-Pierre Amunkumpelinga. Ho venuto a sapere che sei in delle difficoltà anche di salute e per questo che noi qui nella riunione di pace tutti assieme oggi abbiamo pensato a te e abbiamo pregato per te. Il Signore ti benedica e ti protegga liberandoti da ogni nemico di questa terra ma anche da ogni nemico spirituale. Amunkumpelinga, patriarca, para que Dios socorra de sus problemas y le defienda siempre en su servicio. Ligue nationale, prie pour sa majesté Amunkumpelinga, pour sa protection contre ses ennemis visibles et invisibles, afin que la Vierge Marie le couvre de son manteau maternel. Sa majesté Jean-Pierre Amunkumpelinga, nous prions l'Éternel afin que vos œuvres prospèrent et continuent à contribuer au bien-être des Camerounais. Ce sont les prières élevées par les hommes de Dieu, chefs traditionnels, patriarches, élus locaux et les acteurs de la communication, exerçants et originaires du département de la Sanaga-Maritime, jeudi dernier, à la salle des actes de la mairie de la ville d'Edea. C'est dans les épreuves qu'on grandit. Dieu dit dans le Saint-Coran, il est avec les patients. Donc nous demandons à Sa Majesté Jean-Pierre Amunkumpelinga d'être patient. Et nous, en tant que musulmans, nous en tant que jeunes, nous allons l'accompagner. Et maintenant et puis après, avec le mois sacré du Ramadan qui arrive, nous avons décidé de l'accompagner avec les prières. Face aux sirènes de la désinformation et à une certaine campagne de déstabilisation lancée à l'endroit du patron du groupe L'Anecdote et homme d'affaires camerounais par certains détracteurs. Nous adressons au Seigneur et nous lui confions surtout son fils, Jean-Pierre Amunkumpelinga, qui lui donne beaucoup de force pour qu'il puisse traverser ces différentes qui fusent de partout. Qu'il sache qu'il est aimé de Dieu. Nous sommes là non seulement pour le soutenir, mais pour le protéger aussi traditionnellement. Parce que nous ne venons pas uniquement pour pavoiser, non. Mais nous venons avec toutes les forces que les ancêtres nous ont remises pour le protéger. Il en a, ça c'est vrai, mais l'addition de nos forces va faire en sorte qu'il soit toujours le bouclier pour les jeunes. Au Cameroun, il y a un proverbe qui dit « C'est le cœur d'une dose qui bat ». Je reprends. On dit au Camerounais que c'est le cœur d'une dose qui bat. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu te reproches de quelque chose, tu vas faire des choses bizarres pour essayer de te justifier. Juste pour essayer d'avoir une bonne conscience. Ok? Tu es là, tu as fait quelque chose et tu sais très bien que tu as fait quelque chose. Ok? Tu vas essayer de faire une autre chose pour essayer de bien te sentir. Tu vas faire des choses pour essayer de bien te sentir. Ok? Juste quelques jours avant la découverte de la dépouille de Martinez, nous avons vu plusieurs prêtres, plusieurs imams, plusieurs pasteurs, plusieurs chefs traditionnels, plusieurs patriarches prier pour le Zoumlo. Les gens priaient pour sa protection. Je ne sais pas contre qui il doit être protégé ou contre quoi il doit être protégé. Mais les gars priaient pour sa protection. Que ce soit au Vatican, on a vu des prêtres prier pour lui. En Guinée équatoriale, on a vu des prêtres prier pour lui. Cameroun, on a vu des prêtres, on a vu des imams, on a vu des pasteurs, des patriarches, des chefs traditionnels. Les gars priaient pour lui, pour sa protection. Tu vois un prêtre. Ec nominu pate, spiritu sante, ec fili, nous prions pour la protection de Amunkumpelinga. Nous prions la Vierge Marie qui va le protéger. Contre ses détracteurs, on répond Amen.
Les gars ont prié pour sa protection juste quelques jours avant la découverte du corps de Martinez Zogo. Je dis très bien que ces choses-là, c'était avant la découverte de la dépouille de Martinez. Les gars ont multiplié les prières. Les gars ont prié pour le Zoom. Une chose, on ne corrompt pas Dieu. On peut corrompre les hommes, mais on ne corrompt pas le Seigneur. On ne corrompt pas le Dieu vivant. On ne corrompt pas le Dieu vivant. Le gars a mélangé, il a mélangé le Seigneur, mélangé les ancêtres, la tradition. Le gars fait le mélange. Au Nigeria, on dit le Dafaduka. Le gars a tout mélangé et ça crée une cuit sur lui. Donc toutes les prières, des prêtres, des pasteurs, des chefs traditionnels, des imams, n'ont pas pu empêcher qu'on puisse le choix. On l'a choix le gars, choix son beau-père, choix sa femme, choix son bras droit Bruno Bidjan. On a choix ses employés dont les prières là n'ont pas empêché à ce qu'on puisse le choix. On a choix le gars. Honnêtement, voilà pourquoi tu disais que c'est le cœur d'une dose qui bat. Si le gars ne se reprochait de rien, je ne pense pas qu'il aurait organisé toutes ces messes-là. Maïwo, no, mais ton maïwo, iwo.